Bonsoir à tous ou bonjour à tous. Donc là c'est ma première vidéo sur le maquillage. Je vais vous présenter une vidéo sur le teint, la manière dont je fais le teint pour le matin par exemple, pour aller en cours ou pour aller au travail. Donc je vais vous montrer la manière dont je procède pour le faire avec tout ce qui est accessoires, pinceaux, produits. Donc j'espère que vous allez vraiment apprécier, aimer, commenter, partager, donner votre avis réellement. Et voilà, bon visionnage. Tout d'abord, je vais appliquer ma base de chez Make Up For Ever, la HD Primer, la teinte numéro 4 qui correspond au teint noir et métissé qui apporte de l'éclat au teint. Je l'applique avec mon pinceau de chez Sigma, le Flat Kabuki, Angled Kabuki, le F88 qui est un pinceau excellent. Ensuite, je vais prendre ma base matifiante de chez Pegisage qui est tout aussi excellent que celle de Make Up For Ever. Elle permet de matifier le teint et d'avoir aussi un teint uniforme tout au long de la journée. Et je vous confirme, elle matifie très bien le teint. Ensuite, je vais laisser sécher mon visage et je vais appliquer mon spray de chez Urban Decay, le All Nighter, qui est the must, enfin c'est the spray à avoir. Et je l'applique aussi au pinceau. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne avec le pinceau F82, si je ne me trompe pas, toujours de la même gamme de chez Sigma, avec le Studio Finish Concealer, la teinte NW50, afin de matifier mon teint, de cacher mes petites taches et de vraiment uniformiser mon teint qui n'est pas de la même couleur partout. Je fais des mouvements circulaires comme vous pouvez le voir. Et j'appuie sur vraiment toutes les parties où j'ai vraiment des petites taches. Ensuite, enfin, par la suite, je vais prendre mon fond de teint. Enfin, j'ai deux fonds de teint. Je vais vous mettre les références ci-dessous. Et je l'applique avec mon nouveau pinceau de chez Bare Minerals, le Perfecting Face. Il a un trou au milieu et on peut vraiment mettre le produit à l'intérieur, la quantité du produit. Comme c'est un make-up du jour, je vais en mettre un peu et c'est vraiment excellent. C'est excellent pour appliquer le fond de teint puisque à la fin on a vraiment cette uniformité, toujours faire correspondre son fond de teint à sa carnation, et c'est ce que je recherche le plus chez un pinceau et avec mon fond de teint. C'est pour ça que je vais vous expliquer plus tard pourquoi je les ai mélangés pour avoir vraiment la teinte que je souhaite. Donc je vais l'appliquer avec des mouvements circulaires. Et comme vous le voyez, ma peau est tout de suite uniforme et bien propre. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Donc là, je l'étends vraiment jusqu'au cou pour vraiment apporter cette uniformité puisque j'ai pas envie qu'il y ait des démarcations. Là, j'ai pris mon correcteur de chez NARS, qui est le Radiant Cream. Qui est un correcteur vraiment, vraiment hydratant et qui permet d'apporter de la luminosité au teint. Et c'est la teinte cacao. Et comme vous le voyez, je l'applique avec mon Beauty Blender qui réellement, comme le signifie Blender, mélange très bien la teinte et qui fond carrément sur mon visage. Donc là, je vais utiliser mon Kabuki de chez Make Up For Ever. Je vais appliquer ma poudre de Studio Fix, ma poudre fond de teint de chez Studio Fix, qui comme vous le voyez est vraiment unifiante, elle apporte vraiment un éclat au teint, et c'est excellent. C'est mon pur kiff, c'est vraiment the kiff, c'est l'un de mes pinceaux préférés, car il apporte vraiment cette uniformité. Là je vais passer au blush de chez Black Up, dont je n'ai pas la référence, je vais la chercher, mais je n'ai pas la référence, je l'ai prise pendant les soldes. Et c'était vraiment intéressant puisque elle est vraiment douce. Elle me rappelle un peu le blush de chez MAC, le raisin, qui est vraiment est très doux pour les carnations noires. Et je vais finir avec ma poudre sublime de chez Black Up toujours, qui va m'apporter vraiment cette touche de luminosité que j'aime avoir lorsque j'ai envie de porter un make-up du jour. Vraiment avoir une teinte vraiment lumineuse, et je mélange le tout avec mon Kabuki. Voilà. Donc voilà le résultat avec les sourcils et les lèvres faites. Merci pour la visite et à bientôt sur bienvenuechezmam.com. Bisous.